Comment va se dérouler ce monstre? Donc on est entre 68 et 2003, autour de King Crimson, Robert Fripp, qui est devenu assez vite le chef du groupe, ce n'était pas le cas à l'origine. Un gars qui a su mélanger, mixer le rock, le funk, le jazz, la musique contemporaine, la musique répétitive, ne serait-ce que ça, du Steve Reich et compagnie. Je voudrais que ce soit comme un rendez-vous qui, comme une frustration qu'on va manipuler les gens. J'ai envie d'être un peu jouasse avec les gens. Je commence de manière opératique avec tout le monde. Là. Oh mon Dieu. Et hop, et t'enlèves tout ça. Et tu reviens vers le quatuor et le quartet. À tel ou tel moment, il y aura une façon d'exploiter, des façons d'exploiter tout cela, etc., entre improvisation et écriture, toujours sur un matériau de rock progressif, le King Crimson. Puis on va les retrouver, mais avec une autre façon d'exploiter l'orchestre, avec d'autres cellules, d'autres aspects rythmiques, des choses plus rocailleuses, plus dures. Puis des choses beaucoup plus chaotiques, d'apparence. Je veux absolument que les gens perdent leur père. Je veux vraiment m'amuser, je veux pas être poli. Je vais être un vrai rocker. Tout n'est pas encore fini. Plus on avance vers le concert, plus les choses se précisent. C'est très pyramidal comme construction, quoi. Je crois que l'orchestre commence à sonner déjà. On va le voir ce soir encore une fois. Et les pièces que je leur ai proposées, les arrangements que j'ai proposés, commencent à se raffermir, à se matérialiser vraiment. Je demande aux enfants, aux adultes d'être ça, quoi, d'être musique. C'est pas facile, hein. On dit souvent, on joue de la musique. Je joue de la musique, tu joues de la musique. Pas chez moi. On ne joue pas de musique, on est musique, on ne l'est pas. Et c'est pas triste, ou c'est pas bien ou pas bien, il n'y a pas de jugement. C'est juste un état qu'il faut se mettre en tête. J'essaie d'éveiller les gens comme ça dans ce sens-là, quoi. Je joue avec les niveaux, je crois que c'est dur, c'est très très dur d'avoir un orchestre qui est disparate comme ça, qui est montagneux en niveau, mais ça pousse le challenge un peu plus loin, un peu plus haut. Puis si je me gourre, bah, sur place, on saura, Vincent Nommé saura me récupérer, m'aider, les gens du quatuor à cordes sauront me récupérer. Voilà, c'est un échange, c'est un vrai donnant-donnant. Les enfants peuvent m'apprendre des choses, les plus vieux peuvent m'apprendre des choses, mais rien n'est logique, rien n'est logique. C'est de la musique, c'est un truc qui n'existe pas, c'est un métalangage, donc il faut qu'on réapprenne à se regarder, s'écouter, à s'aimer et tout. C'est ça qui est bien. C'est pour ça que les niveaux, je ne sais même pas moi-même, je ne sais même pas si ça fait ça ou ça ou ça. Je crois qu'on le découvrira qu'au moment où on jouera. Et là, peut-être que je pourrais te dire, maintenant je sais où on en est.